Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur Sons of the Forest pour voir où trouver le fixateur de lampe torche. Et pour ça, on va regarder la carte et on va dézoomer au maximum en cliquant sur la molette. Alors regardez, il y a deux emplacements possibles de crash d'avion. Il y a au niveau de la plage tout en haut, on peut voir qu'il y a une grotte sur la plage. Ou alors, à ma droite, on peut voir qu'il y a un icône d'avion, c'est le crash dans la montagne. Nous, on va aller dans la grotte à laquelle je suis actuellement. Je vous laisse vous repérer sur la carte. Voilà. Et dans cette grotte, on va trouver ce qu'on a dit. Alors, je vous conseille de mettre une petite cabane avec une bâche pour pouvoir sauvegarder parce qu'on va affronter les ennemis. Donc, si jamais on meurt, voilà, il faut pouvoir revenir ici facilement. Donc, vous faites une bâche, vous sauvegardez. Vous prenez à manger, à boire, vous mettez à fond, vous dormez. Et là, on est à fond, on peut y aller. Hop, on prend la hache et on défonce la porte. Alors, on va équiper le briquet. Ah, alors je vous l'ai pas dit, je suis désolé. Pour chercher la pelle, il va vous falloir le pistolet à corde et le recycleur d'air pour nager sous l'eau. Donc je vais vous mettre en description de la vidéo le lien de mes deux vidéos, où trouver le recycleur d'air et où trouver le pistolet à corde. Maintenant que vous êtes équipé de ces deux objets, on va avancer et on va immédiatement utiliser, alors déjà ramasser le tissu et utiliser le pistolet à corde. Alors je vous laisse affronter les ennemis, ramasser les objets, fouiller, etc. Nous on va avancer, ici il y a de l'eau, d'accord, la corde est là. Là, regardez, il y a la corde, il y a de l'eau juste là, d'accord. On va aller dans l'eau. Et le recycleur d'air va nous éclairer. Par contre, c'est dommage, hein, le recycleur d'air, on peut pas l'utiliser à l'extérieur pour s'éclairer. Alors que le truc, c'est une lampe torche infinie. En sortant, si vous avez froid, n'hésitez pas à faire un feu pour vous réchauffer rapidement. Donc là, on sort. Il y a des os. Et on trouve la combinaison de plongée. On avance. Là, on va tomber. Et notre personnage n'a visiblement absolument pas peur, hein, de faire une chute vertigineuse au milieu des rochers. Dans un repère de cannibales. Donc là, on sort de l'eau. Et on se dirige vers la lumière. Là vous ouvrez les caisses, hein, récupérez tous vos trucs. Hop. Et on continue d'avancer. Là on peut voir de la lumière. Il y a deux choses ici. Premièrement, alors, ramassez tous vos objets. Il y a le fixateur de lampe torche. Il loue le fixateur de lampe torche. Ouais. Équiper la lampe torche pour mieux voir. C'est pas là? C'est pas encore là. Donc on va continuer et on va aller à droite. Là, il y a de la lumière. Alors, est-ce que ça serait pas là qu'il y aurait deux choses? Là, regardez, penchez-vous. Vous appuyez sur E. Hop, petite musique badass. Nouvelle localisation découverte, Bunker A.
Et quand vous ouvrez votre GPS, vous avez une nouvelle position. Alors là, on est dans une grotte, donc on n'a pas de réseau. Mais vous avez la position d'un bunker qui a été débloqué. Et ici, vous avez le fixateur de lampe torche. Hop. Bon bah voilà, bah écoutez, si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à soutenir la chaîne au travers du Tipeee, ça aiderait beaucoup à son développement. Et à la prochaine pour une future vidéo. Ciao.